Salut tout le monde. Mon nom est Jimmy Ajayi. Vous êtes la bienvenue au chat agroalimentaire avec Jimmy Ajayi. Entretien sur les diverses chaînes de valeur agricole. Notre invité d'aujourd'hui parlera de la pisciculture en Afrique francophone. Présentez-vous brièvement, s'il vous Ok. plaît. Alors bonjour, merci Jimmy Adjaye de me recevoir. Je suis Songwa Diabanza, initiateur de Lunda Aquaponics, qui est au fait un modèle d'agribusiness qui permet de produire des poissons pendant toute l'année, des poissons et des végétaux pendant toute l'année en utilisant le principe de l'aquaponie et de l'énergie renouvelable et en récoltant les eaux de pluie. Depuis 2020, nous avons installé trois fermes urbaines à Kinshasa qui permettent de produire des poissons et des végétaux pendant toute l'année. Bon. Interesting. Donnez-nous un bref aperçu de l'industrie piscicole dans les pays francophones. Ah, ok. Alors, l'industrie piscicole, si on doit le résumer, c'est que la production locale n'est pas suffisante pour la demande. Alors, qu'est-ce qui fait nous importons des poissons qui viennent d'ailleurs? Alors que nous avons assez d'eau, nous avons assez des ressources pour le faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la chaîne de valeur piscicole ne reçoit pas assez d'attention. C'est-à-dire, d'abord, dans la production des intrants, la production des aliments, la production des alevins, il n'y a pas assez d'investissements privés qui permettent de développer la chaîne de valeur. Donc, c'est ça le grand problème et c'est aussi un appel, justement, les Africains doivent réfléchir à cette problématique, voir comment se mettre ensemble afin de développer cette chaîne de valeur. Quels sont les défis, auxquels la chaîne de valeur du poisson est confrontée et comment pouvons-ils être relevés? OK. Donc, quelles sont les chaînes, les défis et comment les relever dans la chaîne de valeur? Alors, moi, j'aime dire les trois défis, au fait, pour le développement de la chaîne de valeur piscicole. C'est d'abord le premier, c'est l'aliment. Parce que vous savez, l'aliment représente 70% ou 70% des dépenses d'une entreprise. Donc, il faut, le premier défi, c'est nous devons être capables de produire un aliment de qualité, un aliment qui permet aux poissons de grandir le plus vitement possible et qui n'est pas en compétition avec les autres aliments pour les humains. Donc là, il y a très peu d'investissements dans ce secteur, surtout dans les pays francophones, et on devrait réfléchir à comment faire des investissements dans ce secteur pour permettre de produire les aliments de qualité qu'on va vendre aux producteurs de poissons pour développer, au fait, cette production. Le deuxième, c'est les alevins. Les alevins, c'est en fait les bébés poissons, hein. Donc, il faut aussi parce que la génétique, au fait, dans la pisciculture, la génétique est très importante. Donc, on doit être capable de produire des alevins qui sont capables de se nourrir avec très peu d'aliments, mais de grandir le plus vitement possible, tout en étant durable sur le long terme. Donc, par exemple, pour le poisson-chat, le catfish, c'est un poisson qui ne se reproduit pas de lui-même, donc il faut une certaine technologie pour qu'il se reproduise.
Et voilà pourquoi c'est important de penser à développer au fait des business qui permettent de produire des alevins de poissons qui sont vendus aux producteurs de poissons. Et finalement, c'est le système de production. Il y a trois systèmes de production. Le premier système, c'est le système extensif, c'est-à-dire un système où on met les poissons dans l'eau et on les nourrit pas et le poisson se débrouille pour manger. Après 12 mois, c'est là qu'on a 1 kilo de poisson. Et c'est ce que nous faisons en Afrique. Voilà pourquoi notre production est très, très, très minime. Deuxièmement, c'est le système semi-intensif, c'est-à-dire c'est un peu comme le système extensif, mais on rajoute quelques déchets de cuisine, quelques feuilles de mangue, quelques déchets de cuisine qu'on donne aux poissons. Et c'est un système qui n'est pas aussi productif. Et finalement, le système que moi, je fais la promotion, c'est le système intensif. C'est-à-dire un système qui permet de produire beaucoup plus de poissons dans un petit espace en leur donnant un aliment régulier et un aliment qui permet aux poissons de grandir le plus rapidement possible. Juste à titre de comparaison, en Afrique francophone, nous faisons le système extensif de production. Et dans ce système-là, pour 1 000 litres d'eau, ça nous permet de produire 1 kilo de poisson. Mais dans le système intensif, pour 1 000 litres d'eau, on est capable de produire jusqu'à 25 kilos de poisson. Donc, le système intensif, c'est le modèle qu'il faut en Afrique, surtout avec la forte démographie. D'ici 2030, il y aura une forte démographie africaine. Donc, il faut être capable de produire localement ce que nous consommons. Et bien, c'est à travers un système de production intensif. Merci. Ok, bon, merci. Merci. Quelle espèce de poisson convient les meilleurs à leverage et pourquoi? Ah, ok. Les meilleures espèces de poissons, c'est le tilapia et le poisson chat, communément appelé catfish ou bien clarias ou ngolo. D'abord le tilapia parce que le tilapia, on maîtrise toute sa chaîne, tout son cycle de vie. On sait comment le tilapia se reproduit. On sait qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger. On sait dans combien de temps, si on lui donne autant de kilos d'aliments, on sait dans combien de temps il va atteindre quel poids, quelle taille. Donc, le poisson chat et le tilapia sont des poissons qu'on connaît, qu'on a étudiés, qu'on a toutes les données scientifiques. Et les autres poissons qu'on a localement ne sont pas encore étudiés à ce niveau. Voilà pourquoi c'est aussi un appel que je lance à tous les scientifiques africains, c'est d'étudier davantage les poissons locaux pour que non seulement nous soyons capables de produire les poissons chat et les tilapia, mais aussi pourquoi pas d'autres poissons qu'on trouve dans nos rivières et dans nos cours d'eau. Ok, intéressant. Quels sont les meilleurs systèmes pisciculture en Afrique? Ok, alors comme j'ai dit, le système, moi je promeux beaucoup plus le système intensif. Alors, il y a le système d'aquaculture de recirculation qui permet au fait d'utiliser la même eau plusieurs fois. C'est en cycle, c'est en train de retourner. Donc, c'est les déchets des poissons qui sont filtrés et puis ça rentre vers les poissons. Ça, c'est le premier système. Et le deuxième système, c'est le système aquaponie. Donc, ou ce qu'on appelle aquaponics, ce qui permet de produire des poissons et des végétaux dans un seul système qui est en recirculation. Et c'est d'ailleurs ce système que Ndunda Aquaponics, qui est le modèle d'agribusiness que j'ai développé depuis 2019, c'est le système que nous faisons la promotion, que nous promouvons. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à déjà taper sur Instagram Ndunda Aquaponics ou bien sur Facebook Ndunda Aquaponics pour en savoir un peu plus. Merci. Expliquer étant de terre et bassin en béton et plastique. Ah, ok. Les étangs de terre, les bassins en béton et les bassins en plastique, au fait, c'est pas la même chose, mais pour que tout marche de la même manière, le plus important, c'est d'avoir accès à l'eau. Lorsqu'on a des étangs en terre, par exemple, lorsqu'on a des étangs en terre, il faut s'assurer qu'on a assez d'eau pour permettre le renouvellement de l'eau dans l'étang, ce qui permet d'atteindre les 25 kilos par 1 000 litres d'eau dans l'étang. Vous voyez? Et
Ce qu'on fait naturellement, traditionnellement ici en Afrique, c'est que on met très peu d'eau dans, donc il y a très peu d'eau qui entre dans l'étang et très peu d'eau qui sort, ce qui accumule des déchets dans l'étang, ce qui réduit la production. Alors, lorsqu'on a des étangs en terre, il faut s'assurer qu'on a une bonne quantité d'eau pour que l'eau, le renouvellement de l'eau dans l'étang se fasse, une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Ensuite, les bétons. Les bassins en béton, bah c'est la même chose. C'est juste que là, c'est fait avec des briques, avec des parpaings qui permettent de faire une recirculation beaucoup plus aisée de l'eau en utilisant la gravité et les pompes. Et les bassins en plastique aussi peuvent faire la même chose. Donc, le point commun de tous ces systèmes de production, de tous ces trois différents systèmes de production, c'est avoir accès à l'eau. Parce que l'eau permet de renouveler, de faire un renouvellement rapide, ce qui permet d'avoir plus de poissons dans un même espace. Merci. Quels conseils pratiques avez-vous pour les nouveaux entrants et les aspirants à la pisciculture? Alors, j'aime dire un peu comme on n'est pas obligé d'être un ingénieur en informatique pour utiliser un smartphone. C'est aussi la même façon, on n'est pas obligé d'être un ingénieur en aquaculture pour faire de l'aquaculture. Il faut juste comprendre les bases. Et c'est ce que nous avons, ce que Ndoune Aquaponics a fait depuis les 3 dernières années, c'est de simplifier au fait la culture des poissons pour que tout le monde puisse être capable de produire de manière domestique ou même de manière commerciale. Alors voilà pourquoi j'invite encore les gens. À tous ceux qui nous suivent, de taper Ndunda Aquaponics sur Instagram, Ndunda Aquaponics sur Facebook ou bien ndundaaquaponics.com, notre site internet, pour en savoir un peu plus. Donc, le conseil, c'est qu'il faut faire son devoir. Comme j'ai dit, il y a trois facteurs. Il y a l'aliment, il y a l'alevin et le système de production. Pour le système de production, il y a le système de production que Ndunda Aquaponics a développé qui, au fait, permet de produire des poissons en utilisant les eaux de pluie, l'énergie renouvelable. Mais aussi, il faudrait que la personne soit sûre qu'il a accès aux alevins et accès à une bonne alimentation pour les poissons avant de se lancer. Merci. Je suis d'accord. Vraiment, je suis d'accord. Souligner l'importance de la raison. La raison de l'oxygène du Bien sûr. pH level, pH, oui, et des activités qui modifient l'environnement de l'étang. OK. Alors, le premier, c'est l'aération. L'aération est très importante parce que l'aération, ça permet de donner l'oxygène non seulement aux poissons, mais aussi dans un système de recirculation, donner de l'oxygène aux bactéries qui permettent de filtrer l'eau. Donc, l'aération est très importante. J'aime donner aussi l'exemple de, comme si on est dans une petite pièce, juste toi et moi, on peut rester pendant des années, on n'aura pas de problème d'oxygène. Mais lorsqu'on met 1000 personnes dans cette pièce, au bout de 5 minutes, il n'y aura plus d'oxygène. Donc, il faut rajouter de l'oxygène, il faut ouvrir les fenêtres ou bien avoir une climatisation. Et c'est la même chose avec les poissons. Donc, dans un étang, on peut mettre très peu de poissons. On n'a pas besoin de mettre l'aération parce qu'il y a très peu de poissons et assez d'oxygène. Mais lorsqu'on met plusieurs poissons, et parce que c'est ce qu'on veut faire, on veut produire beaucoup plus de poissons parce qu'il y a une forte démographie, ben, il faut être capable de saturer l'eau en oxygène en mettant un aérateur. Et les aérateurs sont disponibles un peu partout. Et à un prix quand même assez abordable. Donc, l'aération est un facteur très important. Le deuxième facteur, c'est le pH. Le pH est aussi très important parce que le pH permet aux poissons de bien respirer, mais aussi le pH permet aux bactéries de bien filtrer l'eau. Donc, le pH, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Moi, la solution que je donne lorsque le pH, parce que le pH doit être compris entre 6,5 et 8. Il ne peut pas être au-delà de 8 ou en deçà de 6,5. Et lorsque le pH atteint ces extrêmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste renouveler 30% de l'eau qu'il y a dans l'étang. Si vous avez un étang de 10 000 litres, ben, il faut vider 3 000 litres pour ajouter une nouvelle eau de 3 000 litres pour balancer le pH. Et finalement, il y a le nitrite, le nitrate et l'ammonium qui sont en fait les trois composantes des déchets des poissons. Lorsque les poissons
produisent des déchets, c'est d'abord sous forme d'ammoniac ou ammonium. Et l'ammonium est très toxique pour les poissons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un processus de filtration pour transformer cet ammonium ou ammoniac en nitrite et puis en nitrate, ce qui est moins toxique pour les poissons. Et ces trois composantes, il faut faire des tests pour toujours avoir une idée de la composition, de la concentration de ces composantes dans l'eau, ce qui nous permet de prendre des décisions de vider 30% de l'eau s'il y a trop d'ammonium ou de vider 30% de l'eau s'il y a trop de nitrates. Donc, ce sont les astuces qu'il faut avoir en tête pour réussir au fait une activité piscicole en recirculation. Encore une fois, j'invite tout le monde à suivre Ndunda Aquaponics qui partage d'ailleurs le blog, on parle beaucoup plus souvent et pour inspirer tous ceux qui veulent se lancer dans cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, parlons marketing. Enfin, question finale. Partagez quelques secrets sur les opportunités du marché aux poissons en francophone africain. Ah, ok. Alors, le premier truc sur que j'aimerais dire sur la distribution et le marketing, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des gros poissons. Parce que notre population n'aime pas, ne consomme pas les gros poissons tous les jours. Notre population consomme les petits poissons tous les jours, les poissons qui ont moins de 150 grammes. Alors, pour ceux qui veulent se lancer, il faut viser cette population-là qui vit avec moins de 5 dollars par jour. Il faut produire des poissons pour eux parce que c'est eux qui vont donner des millions de dollars parce qu'ils sont nombreux et ils consomment tous les jours. OK? Donc, lorsqu'on produit des poissons, la première stratégie, c'est de produire des poissons pour une population, pour la population locale. Donc, produire localement ce que nous consommons. Et c'est ça, d'ailleurs, la devise de Ndunda Aquaponics. Au lieu de chercher à produire des poissons pour les hôtels, les restaurants, on peut s'évertuer à produire des poissons pour notre population afin de vendre beaucoup plus rapidement et de faire des bénéfices de retour sur investissement beaucoup plus rapides. Et deuxièmement, c'est le sur la distribution, c'est que beaucoup, très peu de personnes comprennent qu'on peut faire les saucisses de poisson. On peut faire des boîtes de conserve de poissons, qu'on peut faire des sardines sur les poissons, ce qui permet au fait de faire un revenu un peu plus conséquent. Donc, non seulement qu'on peut produire des petits poissons pour la population locale, mais aussi on peut produire le surplus pour transformer en saucisses de poisson, en boîtes de conserve, en coquettes de poisson, ce qui permet d'avoir un revenu plus intéressant. Donc, ne cherchons pas à produire des gros poissons. C'est bien de produire des gros poissons, mais concentrons-nous sur la population locale. C'est elle qui va nous faire des millions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sangwa. Et pour tout vient ici à parler discussion de agribusiness. Et parce que je pense que cette conversation sont nécessaires pour nous parce que nous devons démocratiser la connaissance. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Oui, merci oui. à vous. Merci, c'est un Oui. honneur. OK. D'abord, au revoir. Au revoir. Wow.